Eh bien, salut vous les amis, on se retrouve pour l'épisode 16 de Pokémon version blanche. Et Bianca vient nous défier. Alors j'ai été rechercher Ébullition. Hein. Je me disais bien que je l'avais complètement zappé. Non, 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 faut que j'arrête de m'exciter pour un oui ou pour un non. Moi aussi je suis un dresseur et je te lance un défi. Ok, bah, combattons, combattons. Contre Bianca. Donc... Attendez, je fais juste un truc sur la chaîne tant que son Pokémon arrive, voilà. Et puis on va pouvoir d'un coup et bien s'occuper de Bianca et puis continuer notre aventure, un bon chien, donc ça va pas être un énorme problème. On va utiliser Cogne. Voilà. Toucher trois fois. On a mis un critique. Voilà, Carapagos. Carapagos monte au niveau 33. Flottage ou du coup, il faut qu'on change pour Feuilloutant. Vas-y, Feuilloutant. Un petit flottage ou farci. On va s'en occuper. Canon graine. Donc il y a plein de trucs à récupérer sur cette route 6, il y a aussi du coup Cobaltium, mais on peut pas y aller tout de suite. Il y en a déjà, donc là il faut re-switch pour Gros Tichon. J'ai peur que son Pokémon soit plus rapide, on va quand même le tenter. Mais j'ai peur qu'il soit plus rapide. Même, voilà. Même à ce stade il est plus rapide, mais on devrait le tuer. C'est bon. C'est son seul point fort à ce Pokémon, c'est qu'il est très très rapide. Un Mushana qui est type psy, du coup on va passer sur Escroco. Du coup Machouille. Voilà, il reste un PV, c'est ce qu'on adore. Cobaltium, il faut surf, donc c'est après le sixième batch qu'on a surf, il me semble. Et si l'hyper potion... On va leur mettre un PV, non, il résiste un peu mieux. Encore un coup de Machouille, et c'est terminé, je pense qu'elle avait que 4 Pokémon. Il monte son attaque, mais je crois que le combat est fini. Ouais. Ouais, mince alors, j'ai perdu 5600 Pokédollars. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait un duel. Hein. C'est tellement super trop balèze maintenant. Moi, je veux pas grand chose, alors j'ai du mal à trouver les mots, mais je pense que je dois comprendre bien ce que ressent les Pokémon. Oh, j'ai failli oublier, j'ai quelque chose pour toi. La 16 de vol, nickel. Je crois bientôt avoir un Pokémon de vol. Papa m'a donné cette cesse, c'est pour pouvoir rentrer plus vite à la maison. Mais oui, et si oui, il faudra le donner à Chan aussi. On m'en attend en plus. Yep. Yep, yep, yep. Parce que ouais, il va y avoir un Pokémon volant dans l'équipe, finale, bien sûr. Parce qu'elle n'est pas encore complétée, notre équipe. Et le Pokémon vol, évidemment, sera échangé avec mon Géolite. Donc c'est très très bientôt, c'est sur la route 7 il me semble. Donc ouais. Donc pour le moment direction la route 6. Voilà. Donc ouais, il faut surfer, on le voit clairement. Alors je vais fuir, je vais peut-être même utiliser un repousse parce que il ne nous intéresse pas. On va faire les dresseurs je pense, mais les Pokémon sauvages on s'en fout un petit peu. Je vous avoue que là bon voilà. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu as toi? Tu as un Pokémon et c'est un Vivaldin. Ok, ça devrait pas être un problème. Je sais pas exactement ce qu'il est Vivaldin par contre. Oh, c'est un Pokémon quoi de
de petites plantes vu qu'on est en forêt ou il y a une sorte de forêt ou est-ce que c'est un type normal? On va utiliser avec le feu, j'en sais rien du tout. Il est plante normale, ok. Voilà. Donc on a notre réponse. Il est plante normale. Hop, je remets ça. Voilà. Il est plante normale. Ça paraissait logique. Au revoir, monsieur Vivaldin. Il est décédé. Et voilà. Écoutez, on va continuer cette route. Si on avance bien, n'empêche, on a le let's play. C'est pas une dresseuse, hein, elle, proprement, en tout cas. Ça, c'est un ranger. Et ouais, puis j'esquisse un petit peu de dresseur parce qu'on est bien au niveau et puis pour avancer un petit peu plus vite. Ok, un Emolga. Il faut qu'on switch de préférence. On va reprendre l'escroco. Même si je pense qu'il va partir sur une attaque vol si j'en a. Pour la simple et bonne raison que nous étions type combat. Non, reflet. On va l'attaquer avec ma chouille. Encore reflet. Il va être très relou. Aujourd'hui je pense que ça va être ça. Ça va être beaucoup de combats. Et puis après, ouais. Après je crois qu'il y a une grotte. Et puis après on arrive seulement dans la sixième zone. Pour le sixième badge. Et puis après seulement on aura surf pour retourner... chasser Cobaltium que nous irons chercher vraiment dans le let's play principal parce qu'après la ligue je pense jouer aussi mais on ira le chercher dans le let's play principal Cobaltium pour la simple bonne raison que ça reste intéressant je pense donc on ira le chercher même s'il ne sera pas dans l'équipe finale c'est intéressant donc, Cobaltium qui est un Pokémon légendaire bien évidemment et on pourra peut-être aller chercher les deux autres. Enfin, surtout Viridium, Terrakium qui est le troisième membre du trio avec le Cobaltium et Viridium. Eh bien, on est dans la route victoire. Si vous ne connaissez pas Pokémon, vous ne savez pas ce que c'est la route victoire. Mais si vous connaissez Pokémon, vous savez que ce n'est pas pour tout de suite la route victoire. Même si on s'en approche. Donc, ouais. Un Colombo. C'est très très peu intéressant. On s'en va. Tant pis pour la gracieuse, il y a un mec là. Les Pokéball aussi. Encore un Vivaldin. J'ai pas vu combien il y avait de Pokémon, mais c'est encore un Vivaldin. Je vais tenter Cogne. Même si je sais pas ce qui fait le plus de dégâts. Non. J'aurais touché trois fois peut-être, mais là non. Voilà, au revoir. Pas une énorme résistance, évidemment. Comme on pouvait le penser. Voilà, peut-être que j'entraîne un petit peu, mais pour la prochaine arène, mais on est bien sinon. Une hyper potion. On peut pas passer derrière la maison, sérieux? On va prendre cette Pokéball qui est un élixir. Je crois que c'est comme les huiles, ça donne des PP ou des trucs comme ça, non? Je sais plus. Ce qui est bien quand même. Petit Vivaldin. Après niveau, on a vu qu'on était un petit peu limite, donc on verra bien. Je ferai peut-être une petite séance d'entraînement pour les retardataires. Mais je pense que. On n'est pas si mal que ça, il n'y a pas tant de dresseurs que ça de toute façon. Donc, bon. Ok, nous verrons bien. Petit
tacle le feu sur le Vivaldin. Au revoir, merci, à la prochaine. Et on a battu le scientifique. Voilà. Ah, c'est des trompignons. Fuck you, trompignon. Je ne veux pas vous combattre. Merci bien. Au revoir. Je m'en vais arriver à la grotte. Surtout. Ça, c'est des dresseurs, mais pareil. S'il y a vraiment besoin de se battre ou de faire de fric, je les ferai plus tard. Là, c'est vrai. On sera amené à revenir. Donc c'est pas grave, ok. Forcément ça ne passe pas, on va attaquer le feu. Il a échoué son abri. Du coup rip. Rip couvert dur. Il va bientôt passer 34, il va bientôt évoluer. C'est très très cool. Encore un Pokémon sauvage. Encore un trompignon, on se fout complet. On se fout. Lui c'est pas un dresseur. Bonjour. Non, une pierre éclair, voilà c'est ce que je cherchais. Je savais qu'on nous donnait un truc ici. On va arriver, je crois, bah, dans une grotte. Au fond de la grotte parsemée, sur la route 6, vivrait, selon John, un Pokémon qui a empêché Unis d'être englouti dans un océan de flammes il y a très longtemps. Cobaltium, c'est son nom. Si tu pouvais utiliser la capacité Surf, tu pourrais peut-être le rencontrer, qui sait. Voilà. Donc, il nous faut Surf, en effet. Comme je m'en doutais. Et là, on arrive à la grotte Electrolyte. Désolé pour l'attente. Voilà, donc il va ouvrir le chemin. Et puis il va nous filer, je crois, la CT. C'est une toile de mégavolt. Où je m'y connais pour. C'est un Pokémon électrique. Qu'est-ce que faut se lâcher, point. Mais pour les soucis, il y a les champions PTD, je te le dis. Allez, Scroco, go. En avant, et avant que j'oublie. Tu as bien mérité une petite CT, ma préférée, je te dis. Tu veux l'apprendre à tes Pokémon? C'est Piétisol que nous allons, évidemment, apprendre. Parce que, voilà. Très cool. Piétisol, qu'elle s'appelle. Elle inflige des dégâts et ça ralentit l'ennemi. Pokémon Sol, c'est pas des rapides, mais avec cette capacité, tu peux annuler ce défaut. Ah, mais c'est tellement bien, Pokémon Sol. Je sais pas jusqu'où son talent peut pour te porter, mais si tu crois que tu peux le faire, te retiens pas. Si tu crois pas, si trop accès, ça peut le faire, hésite pas. Si t'as pas envie, lâche-toi. C'est toi qui fixes tes limites. Wep. Yep, 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 yep. Alors. Pour ta CT, cher ami, on va la prendre à un autre ami. Si je la trouve Piétisol. Ça fait du 60. Est-ce que je peux voir ses stats avant de faire quelque chose ou pas? De toute façon, c'est à mon avis forcément du physique. Mais... Quand même du monde qui peut l'apprendre cette histoire. Oui. Bah, je pense qu'on va oublier Assurance. Hein. Parce que Assurance finalement, ça fera beaucoup de dégâts, mais enfin. Déjà, Piétisol est plus puissante. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Ça me paraît bien ce croco là. J'ai même pas vu comment ça faisait Piétisol. Fiche des dégâts tous les Pokémon autour de lui. Ouais, donc ouais, ça fait mal ça. Donc ne pas utiliser ça en combat avec des autres Pokémon. Sauf s'ils sont. Sauf s'ils volent évidemment. Suis-nous. Maître, votre ordre a été exécuté. Merci. Tu viens d'encontrer deux membres du trio des ombres, le plus fidèle membre de la team Plasma rassemblé par Gatiss. D'ailleurs, ce sont eux qui avaient mis en place la toile du Megavolt à l'entrée. La grotte électrolyte, que j'aime cet endroit. L'électricité dessine des équations, le lien avec les Pokémon n'est pas le peuple. Et aucun être humain n'est à l'horizon.
un lieu idéal pour moi. Dis-moi franchement, j'ai décidé que tu serais mon antagoniste. Est-ce une surprise? Oui. Bien sûr, une telle nouvelle doit surprendre. J'ai parlé de son groupe Agitis. Il a envoyé le trio des hommes se renseigner sur vous. Chan, ce jeune inconscient s'illusionne dans son idéal de force. Bianca, la malheureuse doit affronter une cruelle réalité. Tout le monde ne peut pas devenir plus fort. Tu ne laisses aller à aucun de ses travers. Tu me sembles équanime. Voilà qui me plaît bien. La team Plasma est embusquée un peu plus loin. Guitis veut vérifier quel est ton niveau. Je suis niveau 33. LOL. Ouais. Alors, c'est une grotte. Du coup, je vais switch. Parce que je soupçonne qu'il va y avoir forcément un Pokémon Roche. Tout comme ça. On va prendre Carapagos et j'ai enlevé le multi-XP, je pense. Je vais le donner à Scroco. J'XP pas les autres hein, pour le moment, mais c'était pas grave. Je lui avais donné les lunettes noires. Et je vais lui redonner le multi-XP pour lui. Voilà. Et on y va. Hein. Ouais, forcément. Il y a des méchants. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un anchouette. Donc c'est un Pokémon électrique. Non, ça m'intéresse pas en fait. Oh fuck. Aïe. Non, je me barre. Voilà. Ok. Oh putain, c'est trop lourd. On va mettre un repousse, je pense. Je crois qu'on va mettre un repousse. Parce qu'ils vont nous faire chier. Stalitique, c'est un bon Pokémon. Oh fuck. Il va se faire détruire en fait, Carapagos. Il y a plus de Pokémon électriques que je le pensais. Du coup, on va peut-être passer sur Feuilleton. Désolé, Carapagos. On va repasser sur Feuilleton. Et on va utiliser un repousse. Parce que les grottes c'est un peu relou, on va pas se mentir. C'est où les repousses dans ce pays? Ah, j'ai un repousse. Waouh. On va pas aller loin les mecs. Hein. Elle va nous expliquer comment on pousse les rochers ou choses comme ça, non? Nathan, tu sais quoi? Les pierres qui flottent, ben si on les pousse, elles bougent. Pas vrai, hein, professeur? Ah. Hello. Alors attends, ça boum. Cet endroit déborde d'une énergie qui fait les délices des Pokémon. Certaines pierres en sont saturées. Elles peuvent donc flotter. Ce qui veut dire qu'elles peuvent tous se déplacer, bien sûr. Mon père m'a demandé de retrouver un Pokémon en forme de rouage. Tic. Je recherche l'origine du Pokémon, la période où il serait né. Alors, ça rigole pas avec moi. Mais j'adore chercher, moi aussi, c'est tellement top. D'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Un 9 chance. Bien, ça, c'est pour XP. Finir la chance à un Pokémon, il gagnera plus d'expérience au combat. Un Pokédex est plus facile à remplir avec les Pokémon plus forts. Bah oui, on peut avancer. Donc ouais. Merde, tu sais quoi? Je suis la garde professeur qui t'élire. Ici, quand il faut prendre les personnes importantes. D'accord. Et du coup, ouais, on peut les pousser. Hein. C'est dans ce sens-là, en effet. C'est vers une grosse pierre bleue, je crois. C'est un peu magnétique, ces histoires. Ça, c'est les gages. Alors, du coup maintenant, faut se... Un joyeux ténèbres. What? J'ai marché sur un truc. D'où il sort le joyeux ténèbres? Quoi ça sert déjà? J'ai beaucoup d'objets, n'empêche. Donc, je vais augmenter la puissance des capacités de thème. C'est bien aussi. Bon, j'avais déjà les lunettes noires, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout. Une soin ball, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert pas à grand chose, ça c'est sûrement un dresseur. Voilà. Voilà. Soin ball, vraiment le pire objet de tous les temps. À part pour avoir une boule rose, ça sert à rien quoi. Parce que de toute façon, si vous êtes plein, il va se soigner le Pokémon donc. Ouais, alors on va peut-être faire qu'on switch parce qu'il va nous démolir lui. Il est sûrement type vol.
Et en plus, c'est un fossile, donc il va être proche aussi. On va quand même prendre Zeblitz. Je crois que c'est un fossile. Je suis pas sûr. Il monte ses stats. Ah, il est quand même 31. Hein. On est quand même 28, donc ouais, on est un poil en retard sur les dresseurs. Donc faudra peut-être que j'XP un peu après la grotte. Je pense que ce sera un peu nécessaire. Feuilleton monte niveau 29. Puis continuons. Hein. Non, on peut pas les bouger. Par contre, je peux descendre. Ok, fuck, il y a plus de repousse. On attend qu'il se tourne le gars là. C'est reparti pour un tour. Ah, un grain dur. J'ai hésité à prendre mon équilibre grain dur. Donc, ouais. Mais finalement, non. Mais ouais, quand j'ai un peu regardé à ça, j'ai hésité. Parce que type acier. Donc, c'est bien le type acier. J'aime bien le type acier. Un rappel. C'était pour tout ce passage, ok. Oh, sérieux? Tu es sérieux, mec? Alors, vraiment? D'accord. Ah, un tic. Donc, petit passier. Faut qu'on switch. Non. Grotichon. On va s'occuper de lui. Tic aussi était dans les candidats à l'équipe, dans les types aciers. Tout comme Minotaur, Pérototaupe. J'ai failli le capturer dans ma première grotte là. De capturer, je sais pas trop par où il faut aller par contre. Ah, c'est relou les grottes, c'est très très relou les grottes. Ah ouais, il n'y a pas tant de type croche que ça, donc je vais peut-être remettre notre ami. Bon, écoutez, on explorera la grotte la prochaine fois. Ouais, demain, ça, je serai sûrement de retour. Merci à vous, en tout cas, les amis, et à la prochaine!